L'éruption de la montagne Pelée, révélation le 6 janvier 2019 de la prophétesse Lynn Antoine. Peuple martiniquais, je viens partager avec vous cette révélation que j'ai eue de la part du Seigneur le même jour que j'ai eu celle de la Guadeloupe et ainsi que la Réunion. Voilà ce que le Seigneur dit au peuple martiniquais. L'épée de mon jugement est pointé sur la Martinique, ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause du mal qu'ils ont fait en s'adonnant à toutes leurs pratiques abominables. Ils reconnaîtront alors que je suis Dieu et que je ne parlais pas en l'air quand je les ai menacés de leur faire tout ce mal à cause de toutes les pratiques mauvaises et abominations. J'irai jusqu'au bout de ma fureur contre eux. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Quand vos victimes seront étendues au milieu de leurs idoles, je déploierai ma puissance contre eux et je rendrai le pays dépeuplé et vide. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Le peuple martiniquais, il n'y a pas grand-chose à faire, sinon de vous repentir et accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Je peux vous dire, ce qui vient sur la Martinique n'est pas agréable, n'est pas beau du tout. L'image, elle était très triste. Et je ne peux que vous dire d'obéir à Dieu. Ne dis pas qu'il ne va pas le faire, non, loin de là, parce que son arrêté est pris. Mais quelque chose de magnifique que vous pouvez faire, c'est accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, et ça sera la plus belle chose que vous allez pouvoir faire. Faites de réserves de nourriture sèche, ayez une boîte à pharmacie. Il manquera chez vous de l'eau, l'électricité et la nourriture. Faites des réserves de bougies et de lampes de poche. Il y aura beaucoup de morts, beaucoup de blessés et l'hôpital sera durement touché et ne pourra pas s'occuper des blessés. Ainsi a parlé l'Éternel pour le peuple martiniquais. Que Dieu vous bénisse. Amen.